Je crois qu'une des questions les plus importantes dans le contexte des politiques de climat, c'est les éléments autour de l'équité, autour de la capacité de garantir un avenir de prospérité pour tous les citoyens du monde. Et c'est quelque chose qui est embêtant, qui est inquiétant, surtout dans les pays en développement qui ont peur de se trouver dans une situation où ils sont forcés à essayer des modèles de développement qui n'ont pas un résultat, une réalité visible jusqu'à aujourd'hui, parce que le modèle de développement qu'on a vécu ces derniers siècles a été bien éloigné de ces patrons et de soutenabilité. Et c'est ça qui pose les défis les plus importants autour de la négociation. À quel point on peut garder une vision suffisamment ambitieuse d'un point de vue à atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et en même temps garder la solidarité, la fraternité, la compréhension d'être dans les mêmes bateaux. Je crois que ce sera une des questions les plus importantes, pas seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue pratique. Il faut tenir compte que Paris n'est pas les fonds, n'est pas la dernière étape. C'est une étape très importante qui doit changer la manière dont on a travaillé jusqu'à présent, mais qui doit être le début d'une transformation beaucoup plus élargie de tous les patrons, tous les modèles des prises de décision et d'agir dans tous les pays, dans tous les domaines. Tout en cherchant qu'en même temps, il faut garantir les éléments de solidarité avec les groupes, les pays les plus vulnérables. On peut identifier des petits changements au début qui peuvent être beaucoup plus importants et un peu plus tard dans les domaines des consommations d'activités économiques qui sont derrière les émissions, c'est-à-dire nos modèles énergétiques, nos modèles de transport et nos solutions urbaines, et la manière dont on gère l'agriculture ou les forêts. Et qui pourrait permettre dans des niveaux très différents et des décisions et tout à fait différentes aussi, non? Et pour nous comme citoyens et de plus en plus et mieux maîtriser des solutions très concrètes et proches pour nos maisons, pour le chauffage de nos maisons, pour l'isolation de nos maisons, pour les décisions de transport autour de nous, les décisions de consommation alimentaire et de proximité. On ne se rend pas compte, non? Par exemple, quand on voit qu'on mange des oranges en été en Europe ou qu'on demande des fraises et un plan et décembre, c'est pas quelque chose qui est neutre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de transport qui est derrière ça, et tandis que peut-être on n'a pas besoin de réagir comme ça, on pourrait profiter qu'il y a des choses qui sont très bonnes et qui sont des produits de saison tout à côté de chez nous, qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Et pareil avec et beaucoup d'autres petites choses autour des vêtements ou autour des décisions de transport, comme je disais, qui sont faciles à gérer. Nous. Je crois qu'il y a de plus en plus une conscience chez chacun d'entre nous que ce qui est important, c'est de bien vivre et pas seulement d'accumuler des choses. C'est-à-dire qu'à la place de nous fixer sur qu'est-ce qui se passe avec les GDP et à quel point on accumule des choses, même si ça veut dire qu'il y a des ressources naturelles et des impacts sur le climat qui ne sont pas tenus en compte. Et il faut comprendre que ça va tomber sur nous, il y aura nos enfants qui devront faire face à ça, et même dans notre propre génération qu'on devrait faire face à ça. Et ça nous amène à une situation qui est meilleure de celle qu'on a. Alors qu'il vaut mieux s'arrêter et penser à quel point on peut mieux vivre et avec ce dont on a besoin pour avoir un confort, mais sans blesser, sans réduire, sans
et couper les possibilités d'en profiter des ressources naturelles et des climats. Et aujourd'hui et demain. Et c'est beaucoup plus facile de ce qu'il semble, mais la seule chose qu'il demande, c'est une chose très difficile, c'est de penser autrement, d'avoir une compréhension de ce que ça veut dire être heureux ou bien vivre différent à ce dont on a pensé pendant pas mal d'années.